Vous cherchez le chemin le plus court vers l'emploi? Alors suivez mon métier pour demain avec le Forem. Bonjour, moi c'est Thomas, je suis couvreur et ça fait maintenant 15 ans que je fais ce métier. Ce qui me plaît, c'est qu'on touche à pas mal de choses. Il y a le travail du plomb, le travail de l'ardoise, le travail du zinc. Pour pouvoir souder, monter un échafaudage, c'est très varié. Il faut avoir le compas dans l'œil, il faut être très précis, très attentif, notamment pour la couverture d'un dôme, d'une tourelle, comme ici. Chaque ardoise est taillée sur mesure, à la main, et ça demande beaucoup de patience, parce que le travail de l'ardoise, ça prend du temps. Tu peux m'envoyer la passe double, Thomas? Ça vient. C'est assez sportif comme métier, d'autant plus qu'il faut aussi de temps en temps se battre contre les intempéries parce qu'on travaille un peu par tous les temps. Mais cela dit, bon, moi c'est un métier que j'aime, qui me plaît énormément et le fait de travailler dehors, c'est ça qui me plaît. Ah bah c'est magnifique, hein, on se serait allé arriver de temps en temps pour profiter du panorama et malgré tout, il faut quand même rester conscient des règles de sécurité et du danger que ça occasionne d'être en hauteur. D'ailleurs, on fait pas ce qu'on veut en matière d'échafaudage, etc. Il y a toute une législation à respecter. Moi, je suis un petit peu tombé dedans quand j'étais tout petit puisque mon père était déjà couvreur et que déjà tout jeune, je l'accompagnais sur chantier. C'est vrai que quand on rentre chez soi, on est très satisfait. On est content du travail accompli et de l'effort consenti. Une formation de couvreur vous intéresse? Visitez le site leforem.be ou contactez un de nos conseillers. C'était mon métier pour demain avec le Forem. Le plus court chemin vers l'emploi.